Monsieur Tendré. Oui. Et voulez-vous savoir pourquoi je me suis remise entre les mains de votre maman pour le choix d'un nouveau domicile? Oui. Ah, mais je sais, moi, c'est parce que je viens d'être nommée encore une fois l'as vendeuse de l'immobilière incorporée. Ah. Oh, ta maman, ma petite fille. Je sais pas si tu retiens d'elle, mais elle ne craint rien ni personne. que j'aimerais donc avoir votre confiance, Irène. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ma mère au travail. Hein. Ah. Vous avez fait votre choix, Madame Lavigueur? J'ai hâte de voir ça. Allons-y. Votre premier choix, c'est quoi? Eh bien, voici. J'aimerais bien acheter votre beau petit cottage. C'est assez cute. Oh, oui! Oui, oui, c'est cute, mais ça vaut rien pour vous. Ça passe, c'est ça. Non, zéro. Mais... Zéro? Une maison de rêve. Ah oui, mais un rêve qui tournerait vite au cauchemar. Non, ça vaut rien pour vous, ça. Oh, votre deuxième choix, c'est quoi? Eh bien, ce galop. Oui, oui. Ah non, jamais de la vie. Il demande beaucoup trop cher pour ce qu'il vaut, vraiment. Mais maman... Ben, il paraît qu'on gèle là-dedans, la tuyauterie est finie. Non, vous savez, il ne faut pas se laisser avoir par ces petits détails d'architecture. C'est du maquillage, ça. Ah, bon? Oh, mais j'aimais bien, moi, une maison entourée d'arbres. Oui, mais l'hiver, vous ne coucherez pas dans les arbres. Ah, ben, y a ça, hein? Votre troisième choix, c'est quoi? Ah, ben, là, j'espère qu'on va être d'accord, Madame Chevalier. J'espère. Le split level, en pierre, l'idéal. Oh, hein? Oui, c'est pas un grand terrain de merde. Et vous l'aurez pas, je m'y oppose, mais, Madame Lavigueur. Mais maman, voyons. Admettez que c'est une maison qui a du chic. Oui. C'est vrai, regarde ça, là. C'est un petit modèle plaisant, ça. Un grand terrain avec des bosquets, des massifs fleuris, loin des bruits de la rue. Oui, hein, et puis en arrière du split, il y a un terrain 10 fois plus grand encore. Non, oui, c'est pas vrai. Oui. Oh, pour mon petit mari, ça va être parfait. Lui qui aime tant planter des arbres, faire son jardin. C'est un terrain de baseball. Ouais, avec des réflecteurs le soir, des estrades, du monde qui crie. Bon. Agréable. Mais je vous reverrai, hein? C'est ça. Je vais aller examiner les autres modèles. Entendu. J'ai vos autres photos. C'est ça, Madame Lavigueur. À bientôt, hein? Hé, oui. T'as vu? Bye, Madame Lavigueur. À bientôt, hein? On revient pas. Ouf, ma petite fille, tu vois si on n'était pas honnête. Ben, maman, là, je trouve que tu pousses un peu fort. Coudonc, ton job, c'est de vendre après tout. Ben oui, justement, pas n'importe quoi. Il n'y avait pas l'air contente, ta cliente. Oh, ça va y passer. Elle va réfléchir, elle va se rendre compte que je suis un agent honnête, puis elle va me revenir, tu vas voir. Là, t'as peut-être raison. Je pensais à ça, là. On se ressemble, toutes les deux. C'est vrai, moi aussi, je me laisse pas embarquer dans n'importe quoi. Là. Oh, André, fais-moi pas parler, ma petite fille, veux-tu? Oui, ça. Je pourrais vous parler 2 minutes, mademoiselle André. Ah, oui, entrez, maman, entrez. Pour une fois que votre frère vous colle pas au talon. Oh, oui, il colle. Je suis toujours derrière, derrière. Ça sera pas long. Ah, oui, on va parler bien vite. Oui. Il s'agit de vous faire profiter d'un coup de chance. Oui, une occasion en or, mademoiselle André, hein? Un tuyau, mais un bon tuyau. Hey, vous autres, là, les gars de la maintenance. Écoutez, là, on veut vous parler de notre cousin qui est bien riche. Ah oui? Vous avez un cousin à bord? Ah non, pas lui, son cheval. Ouais, mais pas un cheval ordinaire, hein? Un pur sang. Pitou and Over, qui s'appelle. C'est le nom de votre cousin, ça? Hey, non, mademoiselle André, c'est le nom du cheval, Pitou and Over. Puis il court demain soir à Blue Bonnet. Ah oui, puis c'est un vrai champion. Il a gagné à peu près toutes les bourses au States. Un vrai winner. Puis Gaston puis moi, ben, on a décidé de mettre chacun un 20 tomates dessus. Ah ben, je comprends. Vous voulez m'en faire profiter, c'est ça? C'est parce qu'on vous aime bien, mademoiselle André. Ben, vous savez, moi, les courses, là... Mais votre tuyau, là, vous êtes sûr, sûr de ça, là? Sûr! Hé, hey, notre cousin, il en mange du cheval! Ça fait 25 ans qu'il patauge des écuries. Bon, ben, écoutons, je vais vous faire confiance, on sait jamais. Vous êtes gentil, ça. Mais gardez ça pour vous, par exemple. Ouais, ça, c'est top secret, hein? Il faudrait pas que toute la ville gâche Chupito and Over. Il restera plus juste des miettes pour nous autres. Je comprends, donc. Bon, ben, vous allez me mettre ce petit vin-là sur Chupito, c'est-tu correct, ça? C'est lui, la banque. Ah, bon, correct. Résultat garanti. On va être riche! Maman, si tu voyais ta fille! Bonjour, Vicky. Est-ce que... André est de bonne humeur aujourd'hui? Ben, il n'y a qu'un moyen pour le savoir, Louise. Vas-y voir. C'est la porte à côté.
Bon, ben, j'y vais, hein. J'y vais. Toi, là, t'as perdu une liste de nos clients. T'as mélangé des dossiers, hein. Oh, non, 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 non. C'est personnel, Vicky. Bon, ben. J'y vais, hein. Allez, vas-y. Entrez. Bonjour, André. Bonjour, Louise. Mon Dieu. On dirait que t'as perdu un petit pain de ta fournée. André, faut que je te parle à cœur ouvert, André. Bon, ben, fais ça vite, Louise, parce que j'ai un rapport urgent à dresser, là. Bon, ben, justement, parlant d'urgence, là, c'est justement pour ça que je suis venue te voir. Oui? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent, Louise? Un homme. Oh, un mâle superbe, hein? Venu d'outre-Atlantique. Ben, je suis bien contente pour toi, Louise. Où est-ce que t'as pêché ça? Par correspondance. Ça fait 3 ans qu'on s'écrit des lettres enflammées, là, puis en ce moment, là, il doit être à Mirabel ou à son hôtel. Ah, oh, je te vois venir, toi, là, là. Tu vas avoir un congé, c'est ça? Oh, non, 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 je peux pas aller le retrouver comme ça, non. Il est venu pour un colloque à l'université, tu comprends? Il est chimiste. Bon, je suis bien contente pour toi, mais il faut que je travaille, là, hein? Oui, mais c'est parce que faut que je t'avoue quelque chose. Quoi? Mais tu seras pas choquée, hein? Tu me promets que tu te choqueras pas? Oh non, non, pas du tout. Je te promets, oui. Bon, c'est parce que, tu sais, dans le temps, j'avais pas tellement confiance en moi, puis je me trouvais moche. Alors, j'y ai menti sur mon apparence, tu sais, mon physique. Oui, c'est fou, ça. Pourquoi se dénigrer comme ça? Ben oui, mais tu comprends, il insistait de lettre en lettre pour avoir ma photographie. Ben, et après? Ben, j'ai envoyé ta photo à toi. Oh, ben, Ah, oh, ben, oui, Quête, elle est sortie de suite, toi! Mais oui, mais je pensais qu'en bonne copine, là. J'aimerais tellement ça si t'allais le rencontrer à ma place. Ah, oh, ben oublie ça tout de suite, ma petite fille, elle est pas en couleur. Mais quand tu vas le voir, là, c'est une beauté rare. Beau, j'ai pas le temps de niaiser, OK? Débrouille-toi avec tes troupes, puis passe-moi pas ça. Okay? Je m'avais promis que tu te choquerais pas. Je suis pas choquée du tout, du tout. Hey! J'ai envoyé ma photo, franchement. Puis Louise, est-ce qu'elle était de bonne humeur, André, aujourd'hui? Ah, oui, elle l'était. Mais là, elle est en beau joie le vert. Comment ça? Tu as apporté le problème de ton service, je suppose? C'est fin. Non, 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 non. Je lui ai apporté mon problème personnel, Vicky. Mademoiselle Vicky? Oui, maman. Qu'est-ce que je peux faire pour votre bonheur? Sainte, n'a pas parlé pas comme ça. C'est Josèche. Mais osez, maman, là. Faites un homme de vous parler. Hey, j'ai tout entendu, hein. C'est votre bonheur et non le sien qui veut vous offrir. Oui? Vas-y, maman. Ben, pour vous montrer ce que je ressens pour vous. Et malgré nos principes, hein, Gaston? À coup, je pense que vous avez vécu, t'en perdre. On a décidé de vous mettre dans le secret des dieux. Nouvelles épatées, c'est quoi votre secret? Un secret de cheval. Eh oui, c'est Pitou Hanover. Un mâle superbe. Ben, voyons donc, seriez-vous rendu entremetteur, vous deux? Mais attention, hein, il y a une pièce à faire. Ben, pour qui me prenez-vous? Ah non, 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 on se comprend pas, mademoiselle Vicky. Oh, j'ai beaucoup trop de respect pour vous. Le mâle superbe, là, c'est un pur sang. Un cheval de course qui appartient à notre cousin riche, Léo. Ouais, puis c'est une occasion, hein? Vous devriez en profiter. Ça peut rapporter beaucoup? Vous crachez un petit vin, puis ça va aller chercher dans les 500-600 pièces. Les temps sont si durs. OK, je marche. Ben, vous allez voir que Pitou Hanover, lui, il marche pas. Il court, puis même, il galope à bord de ça. Bon, vous avez dit que c'est pas un cheval, c'est une comète. Une comète blonde. Est-ce qu'il est blond, Pitou? Comme vous, mademoiselle Vicky. Merci pour la comparaison. Tenez-moi au courant, hein. Oui, mais faut pas en parler à personne, hein. J'ai entendu. On parle de chevaux de course, de gageure aux courses. C'est des risques inutiles. Vous avez pas d'autre ouvrage que ça, vous autres, hein? Au lieu de contaminer mon personnel avec vos histoires de pitou blond, allez donc vérifier l'air climatisé, ça pue de garde dans mon bureau. Ah oui, pousse! André, je voudrais pas voir l'air d'ici. Ma voleuse de photos, là, hein, pas tant avant que je me choque pour vrai. Non, 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 choque-toi pas tout de suite, là, avant d'être choquée. Regarde, je t'ai apporté sa photo. Viens pas me bandrer avec... Regarde. Ouais, hein, c'est le gros lot de la Loterie nationale française, pour pas dire. Puis ça, c'est rien, hein. T'as pas vu ses lettres? De la classe, le distingué, puis... Hey, c'est le Parisien. Ouais, il a de la gueule. T'es sûre que tu veux pas aller le rencontrer à ma place? Comment est-ce qu'il s'appelle? Alexandre. Hmm? Alexandre de la Grave. Ça fait noble, hein? Ouais. Oh, tiens, regarde. Je t'ai mis l'adresse et puis l'heure à laquelle on doit se rencontrer pour la première fois. C'est au bar de son hôtel, c'est à côté. D'accord.
D'accord, je vais y aller, Louise. Mais c'est bien pour te dépanner, hein? Tu peux me dire merci. Merci. Tu sais que je suis pas obligée de faire ça, hein? Ta pente! T'as pas honte d'avoir envoyé ma photo? Hein? Puis avoir fait croire que t'étais blonde avec les yeux verts? T'as pas honte? Oh oui, j'ai honte. Ben voyons. Bonjour, mademoiselle. Ah, monsieur, je vous en prie, hein? Le bar est désert, il y a plein de tables libres. Oui, oui, mais vous allez comprendre. Vous êtes bien Louise Paquette, n'est-ce pas? Celle qui a correspondu avec Alexandre de la Grave, non? Louise Paquette, oui, oui, c'est moi, oui. Je vous ai reconnue à cause de la photo que vous avez envoyée à Paris. Ah, bon. Oui, mais dites-moi, vous êtes un ami d'Alexandre de la Grave? Oui, je vais... Oui, il a pas pu se libérer de son congrès? Je vais tout vous expliquer au sujet d'Alexandre de la Grave, mais d'abord, laissez-moi vous dire à quel point vous êtes encore plus jolie que sur la photo. C'est très gentil à vous. Mais où est Alexandre? Ah, eh bien voilà. C'est que la photo que vous avez reçue n'est pas celle d'Alexandre de la Grave, mais plutôt celle de son copain Philippe Lebeau. Parce que vous devez l'avouer, attention, attention, il n'est pas là du tout, l'ami Philippe. Mais écoutez, je comprends pas très bien, là. Ah, vous avez pas saisi, hein? Non, non. Elle a pas saisi. Non. Ah bon. Eh bien, je suis Alexandre de la Grave, Louise. Oh, vous êtes Alexandre de la Grave? Vous avez l'air déçu. Oh non, non, non. Parce que, attention, les lettres enflammées étaient de moi, tout comme vos tendres missives, d'ailleurs. Faites attention pour ne pas nous surprendre. Vous savez, je suis assez connue ici. Garçon, je vais vous expliquer pour la photo. Quand j'ai vu la vôtre, oh là là. Alors, je me suis dit, non, non, je ne lutte pas contre ça. La beauté est un cadeau du ciel. Oh, mais cette frimousse que vous avez à Paris, vous feriez un malheur. Ce genre pétillant. N'allez pas là-bas, vous ne revenez pas vivante. Et en voyant cette photo, justement, j'ai pris complexe. Et c'est mon ami Philippe qui m'a dit, utilise la mienne, Alex. Ah, oh, vous avez dit ça? C'est fin. Mais ce quiproquo pourrait être le début d'une belle aventure. Qui sait, je ne suis pas pour longtemps à Montréal, mais nous aurions peut-être le temps de poser des jalons. Laissons le destin décider de notre avenir. L'avenir immédiat, c'est qu'il faut que je retourne à mon bureau. Vous savez, je suis très occupée, j'ai beaucoup à faire, beaucoup de responsabilités, parce que je suis directrice du personnel. De la comptabilité, oui. Oui, je sais, je sais. Louise, ne brusquons rien. Je dois vous faire un autre aveu, c'est la première fois que j'en pince pour une blonde. Ah. Habituellement, ce sont les brunettes. Et qui plus est, grassouillette. Oui. Étrange, non? Oui, c'est étrange. C'est étrange, en effet. Bobo, vous me cachez des choses? Saint-Étienne, mademoiselle Louis, je suis transparent, comme notre gouvernement. Ah oui! Eh bien, moi, j'ai un regard de rayon X et puis je vois un beau grand blanc nommé Pitou. Gaston, est au courant? C'est au courant, plug-là, mon amour. Vous savez, les gars, si c'est payant, là, je suis disposé à vous verser une petite commission, hein? Ah, pas question. Combien vous mettez sur Pitou? Hey, on va revenir avec un truc de la Brinks. Combien je vous devais en tout et pour tout, les gars? C'est 20 piastres, hein? C'est bien ça? Vous allez voir, c'est de l'argent bien placé. Louise, vous aussi. Mais j'en reviens pas. C'est tout arrangé, ça, pauvre Louise. Vous jetez votre argent à l'eau. Pauvre naïf. Puis vous autres au boulot, hein? Débarrassez. Hey, voilà. C'est-tu beau la résistance au vice? Ah, maman! Maman! Oui, si mademoiselle Bicky? Quoi si donc? Si jamais votre petit manœuvre me rapporte autant que vous le pensez, là, ben moi, je vais vous donner mon plus beau bec en réserve. Oh, ben, Saint-Snap! Oh, demain soir, je vais aller pousser dessus à Blue Bonnet. Bonjour, mademoiselle. J'aimerais voir mademoiselle Louise Paquette, s'il vous plaît. Bonjour. Pas ici pour l'instant. Oh. Ah! Oh, Alexandre, vous? Ma chère Louise, remise de vos émotions et de la stupide méprise d'hier. Hein, oui. Louise? Oui, oui, passez donc à mon bureau, Alexandre. Oui, mets-toi pas de ça, toi. C'est de la grave. Merci. Ah,
Ah, Louise, Louise, j'ai enfin réussi à m'arracher à ce colloque. Pénible, ces réunions. Oui. Je voulais vous inviter à dîner ce soir et, en plus, je voulais visiter votre bureau. Ah, ben, c'est ici que je bosse, comme vous dites, à Paris. Oh, mais c'est très agréable. Pourquoi toutes ces lamentations dans vos lettres? Ah, oui, oui. Je croyais vous découvrir dans un cagibi délabré. Ah, oh, ben, ça devait être avant les rénovations. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Je n'ai jamais aimé les épanchements dans un bar, mais ici, un premier échange d'affection réel. Voilà 3 ans que nous nous languissons par correspondance. Voyons, Alexandre, voyons, non, on n'est pas à Paris, écoutez, on se connaît à peine. Mais oui, mais vous m'écriviez dans vos lettres, je brûle d'un désir fou, d'un feu ardent, non? Oh, j'ai écrit ça, moi, mon Dieu, je devais être dans un moment de solitude extrême, je vous en prie. Je vous croyais moins prude, veux-je dire. Non, mais vous m'avez même écrit, je survis à peine en attendant le jour où je me donnerai à vous complètement. Ah oui. Le jour, j'ai pas dit quel jour encore. Ah. Entrez. André, je... Oh! Louise. André, oui, quand... je voulais savoir si... Louise, quand est-ce que tu vas t'habituer à m'appeler Louise, comme tout le monde? Oh, mais... Louise, je vous présente André Chevalier. Hein? André Chevalier. Oui. L'ami intime, la confidente de toutes vos lettres, c'est donc vous, ça, André Chevalier. Oui, oui, c'est elle. André, je te présente Alexandre Delagrave. Oh, celle qui n'a aucun succès avec les hommes. Celle qui est difficile au point où elle mourra célibataire. C'est donc vous, ça. J'ai écrit ça, moi, mon Dieu. J'exagérais. Hein? On exagère toujours un peu, hein, André? Oui, je peux pas croire que j'ai écrit des niaiseries de même. Bon, excusez-moi, je crois que je vais vous laisser dès maintenant. Mais je vous revois ce soir, n'est-ce pas? Je vais vous prendre chez vous. On va vous donner la nouvelle adresse de Louise, hein? Ouais? Bon. Merci. Monsieur Delagrave. Merci. Alexandre, je vous espérais que nous nous reverrons. Oh, sans aucun doute. Deux si vieilles amies. Au revoir. Excusez-moi, ça. L'émotion. Louise, je te remercie pour la publicité outre-mer. Hein? André, la photo, lui aussi. Mais oui, t'as compris, lui aussi. La photo, c'est celle d'un certain Philippe Lebeau, son ami. Oh. Oui, mais pourquoi? Il est tellement bien de sa personne. C'est envoyer la photo d'un autre. Tu es assez niaiseux. Moi, je trouve ça, moi aussi. Écoute, oui, tu vas me débarrasser de lui, hein. Je vais pas être obligée d'y accorder tout ce que tu as promis dans tes lettres. Bonsoir, monsieur Delagrave, je présume. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes la sœur de Louise, je suppose. C'est très gentil ce que vous dites là. Je suis sa maman. Oh, oui. J'ai rendez-vous avec Louise, oui. Ce soir, nous allons faire la nouba. Oui, écoutez, c'est vraiment dommage, mais Louise est tombée subitement malade, très malade. Oh, que c'est incroyable. Moi qui avais préparé une véritable petite fête, champagne et tout. Oh, oh. Dommage, venez, je vous prie, venez. Oh, là. Alors, ma chérie, est-ce que tu es visible? C'est monsieur Delagrave. Il est vraiment très, très déçu. Je suis désolée. Oui, vous voyez, elle vous exprime ses regrets. Vous entendez, elle n'a plus de voix, elle n'a plus du tout de voix. Pauvre chérie. C'est décevant que c'est regrettable. Eh bien, tant pis, reposez-vous bien, Louise. Oh, quelle déveine, quelle déception. Reposez-vous. Oh, j'espère, chère madame, qu'elle va pouvoir récupérer rapidement. Quoique, je vous assure, au Québec, elle a grippé vraiment tenace. Oh, oui. Au revoir, monsieur Delagrave. Au revoir, merci, madame. À bientôt, j'espère. Au revoir. Bon débarras! Oh, que t'es actrice! Tu te trouves, hein? T'as vu, je te trouve! Oh, c'était beau de te voir! Bonjour! Allô, André? Bonjour! Puis, notre petit Hanover, il a gagné? De l'air, du vent, ma petite fille! Comment ça? Regarde ça, le tuyau t'a crevé! Il est pas arrivé premier? Non, c'est classé 10e! Aïe, aïe, 20 beaux dollars à l'eau! 50, Vicky! 50, Thomas Chiliao! Comment ça, 50? Ben oui, j'avais rajouté un 30 sur mon vin. Oh, mais ben oui. Allô, tout le monde? Ah? J'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous autres. Mm. Oui, on la connaît. On va s'en rappeler de votre pitou Hanover. Avez-vous lu le journal? C'est classé 10e. Mm.
Je le savais. Hey, je vais vous expliquer. Hier soir, à l'heure des courses, il y a un boiler qui a pété dans la cave du building. Ça fait que Gaston et moi, on n'a pas pu y aller. Comprenez-vous? Ça fait que votre argent, je ne l'ai pas joué. Le v'là. Ah! Hey, je vous dis qu'hier soir, dans la cave, là, on sacrait. Mais ce matin, on rigole. Voyez-vous, tout s'arrange pas pire. Excepté pour votre patron, Paul-Émile. Comment ça? Ben, en passant à la cafétéria, j'ai entendu parler que lui, il est allé aux courses. Mais tenez-vous bien. Il paraît qu'il aurait perdu 200 belles piastres sur Pitou et Never. Il va t'apprendre avec des pincettes le matin, lui. Attention, il arrive. Oh, oui. Viens-t'en, on a intérêt à s'effacer. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à me regarder de travers? Paul-Émile, est-ce que vous avez su pour Pitou et Never? Eh oui. Vous avez perdu votre argent à toute la gang, hein? Vous l'avez dit. C'était déjà à votre 20 piastres, André. Paul-Émile? Quoi? C'est moins grave que de perdre 200 piastres, hein? Oui, évidemment. Bonjour, Vicky. Je suis un petit peu en retard, j'ai des visiteurs de France. André est à son bureau? Bonjour. Oui. Bonjour, André. Ah, bonjour, Louise. Ah, Louise, Momo va te remettre ton 20 $. Les frères Lachance n'ont pas pu se rendre aux courses hier soir. Es-tu sérieuse? Mm-hmm. Et toi, hier soir, t'es pas venue nous rejoindre? T'étais malade, il paraît? Ben, j'espère, je t'expliquerai. Hein? Ouais. Ah, déjà rétabli, vous? Ah, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? La grippe ici, hein? Ça vient, ça part, comme ça. Dommage que vous ne soyez pas venue. J'y avais invité mon ami et collègue Philippe. Ah oui? Il était avec vous deux hier soir? Oui. D'ailleurs, il nous attend à côté. Oh oui, Louise. C'est vrai, faut y aller, hein? Votre avion à Mirabel, on a juste le temps, Alexandre. Bon. Louise, présente-moi-les. Philippe, je te présente André Chevalier. Enchantée. Écoutez, on pourrait peut-être correspondre, vu que vous avez déjà ma photo, hein?